Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Exa, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode numéro 2, entre guillemets, sur Hearthstone. Donc, on va continuer, bien évidemment, de jouer Druide. Donc, j'ai changé quelques petites cartes, je tenais donc à vous le faire voir. Donc, déjà, j'ai eu un Sylvanier du Bosquet, je sais pas trop si ça se dit comme ça. Donc, c'est plutôt pas trop mal, j'ai regardé vite fait, ça a l'air d'être un petit peu bien joué, tu vois, surtout pour piocher, tout ça, tout ça. Bref, voilà, bon, après, ça fait aussi à l'adversaire, donc c'est à double tranchant. Je l'ai remplacé par le petit Nounours. Du coup, comme tour 2, ben, c'est chaud parce qu'on n'a plus que l'Orgnéotron ou une croissance sauvage. Ce qui est bien quand même. Voilà. Derrière, donc, je sais pas quel j'ai rajouté d'autres. Voilà, bon, j'ai fait la première extension, enfin la première aile du Manche Noir. J'ai usé, voilà, 700 petites pièces, hein, ça me fait mal au cœur. Mais j'ai Torii-san qui est vraiment très très important. J'ai enlevé un Kraken, je crois. J'ai enlevé le truc là, vous savez. Comment il s'appelle ce con? Hop, attendez, on va chercher ça vite fait. Bon, j'ai eu ça également dans un paquet, bon, on s'en fout. C'est voilà, ben, bref, on s'en bat les. Hop, où est-ce qu'il est? Voilà, le maître shooter. Et donc du coup, bah, force de nature, vous l'avez déjà vu pour le petit combo drôle. Puis bah voilà, bon, j'ai regardé du bosquet. Ça aussi, je sais pas si vous l'avez vu, je sais plus exactement où est-ce que j'en étais arrêté. Bref, j'ai eu également, enfin j'ai mis, voilà, un toucher du guérisseur. Je crois que c'est ça. Bon, c'est peut-être pas ça, mais bon, c'est pas grave. Vous savez, la carte qui rend 8 points de vie parce que je manquais un petit peu de heal. Je pense que si un jour, ou je sais même pas si je l'ai en fait, le robot de son antique, ça peut être pas trop mal. On verra bien. Bref, bref, bref. Allez. Donc, recherche d'un adversaire. On va bien voir qui ça donne. Alors, je suis toujours rang 19. Bon, voilà, on ne travaille pas. Hein. Druid, pour moi, c'est vraiment une classe. C'est pas très simple à jouer, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Faut avoir quand même un peu de chance. En gros, si vous avez un petit peu d'early game, ça va. Si vous n'en avez pas. Je dois protéger la ok, nature. Bon, on garde l'innervation, on vire limite le gardien de bosquet et le protecteur. Alors également, vous voyez pas les souris, la souris, hein, parce que je l'ai enlevé au truc du montage, j'avais pas vu. Enfin, au truc du montage, vous savez, sur Action. Ok, donc on commence en premier, bon, c'est bien parce qu'on a un mana de plus, du coup. Bon, on va bien voir. On n'a pas une main extraordinaire, ouais, non, là, c'est plus la main. C'est pas grave, on va essayer de se rattraper, ne vous inquiétez pas. Allez. Il me faudrait également, oui, donc comme je disais, la... Comment elle s'appelle celle-là vous savez, celle qui confère un mana en plus. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, la croissance... Non, la combattante sauvage, non, je sais plus. Bref, voilà, vous voyez quelqu'un que je parle. L'autre sur sa panthère, là. Qui, quand elle meurt, elle enlève un mana, mais quand elle vient, eh ben, elle en rajoute un. Ça peut être vraiment pas mal également. Ça me mettra encore un petit peu d'early game. Voilà, ok. Donc un 4, un paladin, j'avais pas vu. Au rapport. Très bien. Pas de tour 3 non plus. Bon, là, on a eu de la chance qu'il joue pas. Enfin, qu'il joue pas des. En soit des. Du early game. Parce que là, on a les très tristes. Mais ça veut dire qu'il garde des cartes également. Donc c'est peut-être. Soit il fait une mauvaise sortie, soit. Soit il met du temps à jouer, soit il garde quoi. Donc il y a un secret. Alors les secrets paladin, ça je déteste, mais bon. On va essayer de faire avec, on va mettre le déchiqueteur. Piloteil. On espère avoir une Rick Pop de Milou, Tempête de Mana. Ou le Chroniqueur Chaud, pas du tout. Allez. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, on a eu tout simplement Face. Ah, d'accord, on a tout pour vous. Allez, une Rick Pop bien. Allez. Ah, ça c'est de la merde, ça. Ça c'est pour le voleur, ça, non? Eh oui, ça c'est pour le voleur. De toute façon, le fait dire ça se met même pas. Non, en vrai, c'est bien. 3-2, ça va quoi. C'est pas ouf, mais bon, ça va. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on aurait plus envie de faire? On aurait plus envie de tempo. En vrai, je sais pas ce que ça peut être. On va taper, d'accord. Je sais pas, c'est pas un noble sacrifice déjà. Je sais pas trop. Je connais pas trop non plus tous les secrets. Hein. Je sais qu'il y a noble sacrifice, vengé, piège givrant. Enfin, pour le. Pour l'autre, piège explosif, tout ça, tout ça. Hommage également, là, le truc du bouclier, je sais pas quoi. Enfin, bref. Je me demande. Ok, bon. Là, on soit le druide de la griffe qui fait une pression pas mal. Ça va. C'est bien. Je suis heureux. Je suis heureux de lui. Alors. Il y a notre adversaire qui hésite. Qui a combien de cartes par rapport à nous? 9. Et quand il en a 6, donc. Ça va, en même temps on a dû me poser. Ok.
Petite araignée. Oh, au rêve. Alors, ça, ça va voir que c'est joué. Truc pas trop mal. On va bien voir. On va mettre ça plus ça. En fait, là, ce qui est bien, que j'avais pas vu, c'est que j'ai la. La combo entre guillemets force de nature et réussissement sauvage que tu peux mettre au prochain tour. Et ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. On va attaquer avec lui mais enfin, ouais. À mon avis tant qu'on n'attaque pas des mobs, ça s'active pas. D'avoir un délire comme ça. Bah prochain tour on a gagné. J'ai mis un peu trop de temps à jouer. Au rap qui arrivait. Ouais non, qui arrive au bon moment. D'accord. Bon. Et bah écoutez. À mon avis, c'est GG. Tatin. D'habitude, j'ai pratiquement jamais de combo. Déjà, j'ai qu'une seule force de la nature. Bon, un peu cher, mais c'est pas grave. Et j'en ai une deuxième, ce sera le feu. Ok. Bon, il se demande qu'est-ce qu'il peut faire, sauf que là, bah, pas grand-chose, mec. Même s'il me tue celle-ci, le drone de la griffe, j'ai toujours elle, et derrière, elle va prendre deux avec le ruissement sauvage. Donc c'est worse. Et derrière malheureusement il peut pas faire grand chose. Quel timer qui se lance la corde. Là je pense qu'il a compris qu'il avait perdu. Enfin je sais pas, en soit il voit pas la combo que j'ai mais non. Ok plus 3, d'accord, bouclier divin. Ok, d'accord, très bien. Là bon il veut toujours mettre un dégât avec son petit bordel. Ah l'ennui au tronc, ça peut être chiant. Non, on peut peut-être pas kill la game alors. Quoique. Pas sous ma surveillance. Pas sous ma surveillance. Ok, bon, elle aussi a bouclier divin du coup. Allez, c'est parti. On calcule pas, on s'en balait. On va bien voir. On va faire ça sur ça, ça. Ah ah. Venger. Ouais, bon, on s'en fout. Hop. Il est déjà attaqué. Bon, on avait pile l'étal. Ah, bah non, il est. Ok. Et bah, c'est cool. Voilà, une petite victoire rapide. Du coup, on a combien de temps? 5 minutes. On va refaire d'autres, bien évidemment. Hop, allez, on refait une petite game. Je sais pas également quel clash pour essayer de jouer. Pour changer, parce que peut-être que voilà. Je compte en faire peut-être d'autres. Hein, des vidéos, bien évidemment, sur Hearthstone. J'ai un deck druide, j'ai un deck perdu, hein. Mais j'ai un deck démoniste également, donc Murloc, peut-être pas trop mal, bon il coûte rien quoi, enfin j'ai pratiquement rien déjà dans ce deck, donc j'ai pas grand chose comme carte, enfin voilà il manque un Docteur Boom, voilà quoi. Ok, bon, bah on va là en parlant de démoniste, on va là. Ok, bon, régiment sauvage, là en fait on est une main de merde, à tout, mulligan. Voilà, allez, avoir des portes boucliers, ça pourrait être pas trop mal. Un porte bouclier, c'est pas mal. Le robot d'alarme, bon, j'ai tenté voilà de jouer un robot d'alarme, c'est bien, ouais, c'est bien. Franchement, quand vous avez bouclier, et par exemple, là, à la place du dos de la grève, j'aurais eu le, vous savez, l'arbre, ça aurait été le feu. Mais bon, malheureusement, ceci n'est pas. Ok, donc porte bouclier qui permet de bien tempo en général en début game, ça va, c'est pas mal. Aspirante sauvage, voilà, je viens de retrouver le nom de l'autre. Ok, l'homme le preux. L'homme le preux qui est chiant. Ok. Également, oui, je compte me faire un deck Untard. Alors, je pense que ça peut être pas trop mal. Et donc, du coup, bah, il m'en faudra des gnomes le preux. J'en ai déjà un. Bon, grand deuxième. Bon, là, on a pris quelques dégâts. Vous voyez la value un petit peu du gnome le preux qui nous fait perdre déjà 3 de dégâts. Bon, c'est chiant. Ça a l'air d'être un normal entre guillemets aggro. Je préfère ça que le démoniste, vous savez, qui garde toutes ses cartes pour faire les géants. Infâme, franchement, ça c'est infâme. Ok. On peut limite le mettre en charge. Bon, est-ce que c'était vraiment utile? Je ne sais pas. Enfin, bon, voilà. On a encore le propre bouclier, donc autant profiter. D'ailleurs, on a gardien au cas où il met une carte qui peut être chiante. Ouais, au pire on peut toujours avoir un Shrider, bien évidemment. Shrider, ok, très long. Bon, une griffe un peu déçu hein, de lui. Ok, fin de la nature, j'ai envie de limiter de jouer ça. Moins bon, soit ça nous met
gardien de bosquet, bon là ça servira à rien, soit la championne derrière. La championne, le champion de, du MUC là. Et à partir de là, ça va être bien. Ok, le shifter. Shrider, bien évidemment. Ouais, oui, nickel. Voyez, ouais, il suffit de demander gentiment. On va silencer ce bordel. Parce que c'est quand même une carte que je déteste. Faut bien préciser. Ok. Bon, soit il peut quand même tuer, mais au moins il aura pas de rip-hop. Rip-hop toujours un peu chiant. Ok. Bon, derrière, on a le choix. Ça, c'est logique, de toute façon, il perd rien à faire ça. Ok. Ok, ça, ça va. À moins que derrière, il fait vol de. Ouais, bon, vol de mort. Ok. Un peu triste. Un peu triste, du coup. La pièce. Un neutron. Ah, stop, ne joue plus. Voilà. Ok. Là il la tue. Mais au moins on aura la force de la nature qui est déjà à 5 et ça c'est déjà pas mal. Ça voudrait dire qu'on a tour 8, on pourra pratiquement rush la game. Joignez-vous à nous ou mourrez. What? Qu'est-ce que ce bordel? J'ai jamais vu cette carte. Vous piochez une carte quand un de vos serviteurs meurt. Ah c'est bien ça alors. La photo est pas mal. Je sais pas si c'est une nouvelle carte ou quoi, je pense pas. Ça a rien à voir avec les explorateurs, bref. Ok, tout pour le serveur. Et il récupère du coup deux cartes. Et bien évidemment une bombe de matière noire. Une bombe. Ok, nice. Hop. On peut même mettre ça. Oh, même pas ça. On peut pas mettre. Comme ça derrière ça nous met le protecteur. Et donc du coup ben ça nous aura touté 3 de mana le protecteur. C'est pas mal. Bon à mon avis il pourra peut-être pas la tuer, il va peut-être pas faire une bombe de la terre, non, une deuxième. S'il en a une deuxième hein. Bon là on l'a fait quand même pas mal piocher, donc au pire des cas, même si ça va jusqu'à la fatigue, vous voyez, c'est pas mal. On a toujours pas eu de toucher guérisseur, on a toujours pas eu de régiment sauvage, qu'on pourrait jouer dès le prochain tour, et donc là ça serait vraiment fort. Donc on fait bien évidemment une flamme infernale. Et un voile d'homme. Ok bon. C'est un peu chiant, c'est un peu chiant. Mais ça va. Ok, bon, balayage. Bon, du coup, on va mettre directement le protecteur. Et voilà. Ok. Bon, là, en soi, on peut finir le match. Il n'arrive pas à tuer le protecteur. Et derrière, on a un rugissement sauvage qui pourrait être pas mal. Mais bon, il faut peut-être pas trop compter sur la chance non plus. Ah, 10 boules. Ah, la petite boule de feu. Pas du tout, c'est pas des boules de feu, on s'en fout. Allez, allez, rugissement sauvage et on win. Bon, touche à guérisseur, c'est pas exactement pareil. Je suis en train de me dire. Attends, c'est presque pas mal en fait ce que je veux faire. Vas-y, on essaye, on est fou. Je peux essayer aussi bien. Aïe, aïe. Fallait pas que ça attaque lui. Allez. Soyons fous jusqu'au bout. Hop, et voilà. Comme ça, on s'occupe de Dr. Boom. Plutôt bien. Là, on a un touché guérisseur encore. Au cas où il nous met peut-être un peu dans le mal le bordel. Par contre, si on a un régissement sauvage prochain tour, je suis un peu déçu. En soi, non. Parce que du coup, ça nous finit, ça nous ferait finir la game. Ah bon, bah non, ça ne va pas finir la game. Ok, il a 6 attaques. Oh putain, c'est chiant. Un balayage qui ne suffit pas. Et si balayage qui suit. On va prendre 6 de dégâts, c'est pas grave. On peut plus de guérisseur. Bon là on a plus de guerre, donc autant dire que si on a. Si nous tue, et que derrière on a rien, on a perdu. Voilà, c'est un peu le principe. Derrière on peut avoir rugissement, on peut avoir plein de cartes. Là franchement là je vois mal comment on pourrait entre guillemets ne pas gagner même s'il nous tue au protecteur. Ah, même si on fait rugissement sauvage plus hero power, enfin. Il y a quand même pas mal de possibilités, le gardien bosquet bon, qui est passé, et deux balayages également, ah ça c'est chiant. Ok, mais ça veut dire qu'il peut pas, okay. Il peut pas nous tuer, donc si on a le rugissement, on va gagner. Par contre là il va falloir nourrir, bon, vous savez quoi, c'est pas perdu, on va piocher 3 cartes, et on espère, bon,
Ok. Ok, ok. Bon, on a gagné. On a gagné, si je me dis pas de la merde. Ok. Bon, GG. Bien joué. Bon, après, on est mieux trop plus conscience. Conscience sauvage ne servait à rien ici. Ok, bon, nice. Eh ben, on passe en vie maintenant. Et on gagne du pièce. Nickel, ça va très bien. Je vais bientôt pouvoir m'en acheter un paquet. Ok, est-ce qu'on fait. Vas-y, on continue. On fait une dernière game. On est à combien de temps? 15 minutes, c'est très bien. On va faire une petite dernière. Jamais 203, bien évidemment. Alors, si on gagne, bon, c'est cool. On sera en petite série de victoires. C'est plutôt cool. On rend 19, 3 étoiles. Donc, c'est pas mal. Bientôt rend 18 si on gagne, hein, bien sûr. Après, bon, on verra bien. On n'est pas là pour passer des rangs et des rangs. Dès que j'aurai un bon deck, je pense que je ferai un road tous les gens. Peut-être un jour, peut-être en live ou quoi. Ça va être pas mal. On cherche un adversaire qui est plus long que d'habitude, j'ai l'impression. Avec la petite musique, toujours toujours bien. Ok. Ok. Vous pouvez acheter un nouveau héros pour que votre classe préférée, pour votre classe préférée dans la boutique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quoi? Il y a mage, chasseur, guerrier, je crois. Je crois que c'est ça. Bon, dommage, c'est pas des classes que je joue. Et puis même ça coûte un peu la peau, hein, voilà. Ok, un mage. Bon, là, je vous promets rien. Parce que le mage, c'est vraiment pas un bon truc. On va virer ces deux-là, comme ça, on fait des shifters. Enfin, une invasion pièce de shifter. Ok, on a deuxième shifter. Bon, rugissement sauvage qui arrive maintenant. Bon, vous allez voir qu'on va pas avoir la force de la nature. Allez, on va bien voir. En fait, s'il arrive pas à gérer le déchiqueteur, c'est-à-dire que s'il a un. Ouais, s'il a un truc de gibbe là, un éclair de gibbe, il pourra le tuer. Après, voilà, MH c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours un peu la classe. Un peu cancer, je trouve, mais bon. C'est pas grave. Ok. Alors, notre adversaire qui met sa vie, apparemment. À mon avis, ça va être un combat très long. Okay, bah, il joue, hein, on le voit, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, on a un double Shider. Ok, il joue enfin. On va dire un petit salutation. Salutation. Ok. Ok, ok. Bon. Allez, tu fais rien. Ah, il y a même d'autres cartes que moi. D'autres cartes de la. De la saison dernière, il me semble. Ah bah oui, oui, c'est ça en plus. Ok. S'il peut pas la gérer, on est bien. Sinon, on est mal. Et là, il va faire Nova Jig. Non, c'est 3 de mana ou 2, je sais plus. Non, je crois que c'est 2. Ou tir des arcanes. 3 direct. Enfin, on verra bien. C'est pas tir des arcanes. Je peux commencer à bref, vous voyez de quelle carte je parle. Ok. On a affronté un peu tout en fait. On a affronté Paladin. En dernier démoniste, c'est la mage, donc c'est pas mal. Ok, petit mais puissant, dégagé. C'est le truc que j'aime pas du tout. Genre truc, t'attends, t'étais dans la merde. Bon là, il va faire sûrement Hero Power. En fait, s'il fait Hero Power, on a Rip Hop, il peut pratiquement rien faire derrière. On va bien voir. Ok, Hero Power, derrière il lui reste un mana. Qu'est-ce que c'est que machin? J'ai jamais vu ce truc. Ok, bon, on a déjà une carte. Je sais plus c'est quoi ça, c'est prêt je crois. Chaque fois que chaque fois qu'un personnage est soigné, inflige un point de dégâts à un adversaire aléatoire. Ouais bon, c'est un jongleur de couteau sauf que c'est quand t'es soigné. Donc autant dire que on va pas l'utiliser beaucoup. Ok, on va mettre ça. On va attaquer. Alors derrière, on a le choix entre déchiqueteur ou kraken. Si ça met kraken, tour 4, on est plutôt bien. Comme ça derrière on peut faire en plus balayage ou même le déchiqueteur. Non, en vrai là le robot qui est bien. Si c'est pas directement one shot, bon le secret donc vaporisation sûrement. Allez Kraken, yeah le Kraken. Bon du coup son crit guard s'actualise pas, la question s'en fout. J'ai même une limite de l'en mettre, non on va pas l'en mettre. Hop, allez attention vaporisation. Ah non, titan miroir. Okay. Ok bon, finalement j'aurais peut-être dû mettre le robot. Ah quoi que non en fait, parce que du coup il aurait pu. Ah c'était pas mal, je pense que c'est ça qu'il voulait que je fasse. C'est pas mal que j'ai pas fait mouton. Bon voilà, ça c'est chiant aussi chez les mages. Ok bon, la ring top. Ah non, il a même pas tué. Bah non, j'ai deux attaques. Ok. Ok ok.
On va mettre en mode Alec. On va pas tuer le Shrider, c'est pas notre objectif. D'autant mettre un point de dégâts en plus, c'est pas ouf, mais bon, ça va. Et derrière la Ripop, on peut faire un balayage dessus. Bon espoir. Pour l'instant, les choses se déroulent pas trop mal. Ok, boule de flamme, boule de feu, excusez-moi. Ok, alors Shrider contre Shrider, je pense. Ok, tu vois la meilleure Ripop. Ok, j'ai un truc un peu perdu. D'accord. D'accord. Bon, pourquoi pas. Et des crocs. C'est un peu d'accord. Bon, il y a une 2-2 pour 2, on va donner 1 pour 2. Bon, écoutez. Affiche un point de dégâts à tout le monde. Ah oh, putain, lui. Ah oui, c'est ça. Hein. Je pourrais limite faire Nokia. Au revoir. Bon, on va attaquer, on s'en fout. Bien, on le tue, on met le petit robot d'alarme. Derrière, ça peut nous mettre bah, que le champion de l'éclat. Derrière, limite, si on a un porte-bouclier, c'est bien, limite, même si on a que lui. Ouais, on peut encore s'en sortir. C'est bizarre de jouer quand même Metzna en mal, je trouve. Mais bon, après, voilà, hein, pourquoi pas. On va piocher 3 cartes. Ok, ok, ah, nice. Ok, nice. Bon, du coup, on va tout miser sur sa gueule. Pour les points de dégâts. Parce que derrière. Non, prochain tour, on peut pas le faire. Donc, prochain tour, on va faire double balayage face. En mode Nokia. Je sais pas s'il y avait des cartes en deux. Je pense pas qu'il jouera Neil Jackson. C'est bon, le singe qui meurt. Ah, contre-sort. Mode de flamme. Ok. Bon, Max, non, en soi, pas une grande menace. Pour l'instant, on s'en fout un peu. Ok, bon, pas contre ça. Ok, prochain tour, on gagne. Bon, ça va. On a eu peut-être plus de chance dans cette game, je dirais. Ça va. Il nous reste combien de cartes? Bah, voilà, bon, là, elles sont arrivées assez vite. D'accord. Très bien, boule de flamme. Bon, et ben, bien joué. Bien joué. Ah, est-ce qu'il a le truc qui fait que quand il a un point de vie là, on va voir. Ça peut être cool. Ça peut être drôle. Ah, vaporisation. Eh bien non, GG. Et voilà, on a l'étal. C'est cool, GG. Bon, et eh ben écoutez, 3 victoires en 3 matchs. Plutôt pas trop mal, je suis assez content. Bon, on n'a pas eu le truc de Bibouski là, vous savez. Ce que je voulais tester. On passe en 18, donc c'est magnifique. Bref, en tout cas, merci à vous du coup d'avoir regardé cette petite vidéo. On va retourner sur l'écran d'accueil qui est juste magnifique, hein. Pas du tout. Bref, allez. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un grand pouce vert, un pouce magnifique. Bref, voilà. N'hésitez pas à laisser également un petit commentaire. Voilà, si vous avez des choses à dire sur mon deck, voilà, il est encore amélioré, hein, je suis ouvert à toute disposition. Bref, en tout cas, merci à vous. Et puis, bye bye tout le monde.